une agriculture durable, des producteurs engagés. L'association du CIVAM Béarn, qui regroupe agriculteurs et consommateurs, s'affiche à l'occasion de l'opération de ferme en ferme. Pour la 15e année, 40 exploitations seront ouvertes pour échanger avec le public le dimanche 30 avril. On a aussi bien des élevages, donc avec la fabrication aussi de fromage, de la viande, évidemment, et la spiruline. On a également des plantes aromatiques, du maraîchage. Et cette année, des paysans boulangers aussi, qui proposent aussi leur pain. Donc une grande diversité de production pour présenter des pratiques donc, tournées vers l'agriculture durable. Une dizaine de producteurs étaient présents pour l'annonce de la manifestation. Ils ont pu voir les installations de la maison Malnou, cette entreprise familiale spécialisée dans le piment fumé et séché à basse température, fera elle aussi découvrir ses installations. On ouvre les visites au domaine depuis 3 ans maintenant, avec pas mal de succès d'ailleurs. Je dois dire, on trouve des gens très intéressés, qui posent des questions, qui veulent savoir comment on fabrique, comment on en arrive à ce produit final qu'ils dégustent ensuite en fin de visite. En Béarn, ce sont 23 fermes qui seront ouvertes au public ce dimanche 30 avril.